Eh bien, salut tout le monde, c'est KingGaysman03, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Pokémon. Donc on est à Carmin-sur-Mer, je vais vous montrer ça ici sur la carte. Donc aujourd'hui, j'ai pour projet de faire avec vous, de remonter à Carmin-sur-Mer, pardon, et de faire ce morceau de chemin-là. J'espère qu'on n'entend pas trop mon père crier, c'est pas grave. On va essayer de passer de là, donc on va aller à Azuria chercher une bicyclette, et puis on va remonter ici, affronter les deux trois traverses de la route 9. Arriver à la route 10, là où il y a la grotte, passer la grotte, et la centrale, c'est là où il y a l'Hector, c'est pour plus tard, et arriver à l'avant-ville, où il y aurait normalement, si je me souviens bien, la tour Pokémon, où on pourrait attraper la type spectre, pourquoi pas à la limite, pour compléter le Pokédex, et alors de là, on irait jusque là, où on irait chercher les deux Pokémon, non, le Pokémon qui nous manque, c'est Pyroli, enfin ce sera Evoli principalement. Et après ça, on pourra aller chercher Tignon, mais ce sera beaucoup plus tard. J'ai pour but aujourd'hui surtout de traverser la ville. Enfin la ville, qu'est-ce que je raconte moi, la grotte. Donc on va aller directement à Azuria. Je tiens à préciser que mon équipe n'a toujours pas changé. Hein, je la garde comme elle est. Donc c'est surtout Ourtide et Carabaf qui vont XP aujourd'hui. Donc on va essayer d'XP les autres avant la grotte, parce que la grotte va nous être fameusement utile pour faire évoluer Ourtide. Pas faire évoluer Ourtide, faire évoluer Carabaf, qui va sûrement bien XP là-dedans, mais je pense pas qu'il évoluera parce qu'on est un peu à la traîne par rapport à mes autres aventures que j'avais fait en solo en hors cam. En général je sortais de là avec des niveaux 30, mais il faut savoir aussi que je prenais mon temps ici, j'essaie d'avancer un petit peu, que ce soit pas monotone, et je trouve que pour des niveaux 25 on sort plutôt bien. Donc écoutez, on va aller chercher une bicyclette. Je sais plus si on peut déjà choisir la couleur ou pas. Oh mais c'est un bon pour une bicyclette. Ok, voilà ta bicyclette. Aceman échange le bon contre une bicyclette. Viens me voir quand tu veux. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on va l'équiper. Bicyclette enregistrée. Voilà. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Alors où il est l'arbre? Il était là en dessous, l'arbre qu'on pouvait couper. Bon, ça n'avance pas super vite, mais c'est déjà ça quoi. Je pense que c'est kiff-kiff par rapport à la course et au vélo. Mais bon. Oups. Bon bah écoutez, on va faire le petit détour. Voilà. Hop. Et on va remonter. Nanana. Franchement, ça me fait plaisir de retourner ce Pokémon. J'avais envie de commencer depuis longtemps. Voilà. Activity Scoop. On garde Rocoups ou Pikachu. On va regarder Rocoups. T'as des Pokémon avec toi, en garde. Si tu veux. Allez, on est parti. Écoutez les gens, j'espère que Voyage sur la Dimension vous a plu. L'épisode 2 ne serait pas sorti cette semaine-ci, mais la semaine prochaine. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le rendu ou pas. Ah ben on a bien fait de garder Rocoups. Ça dépend. De toute façon, l'épisode 2 sort bientôt. J'espère que ça vous plaît, et moi je prends un plaisir fou à tourner ça. Je tenais à préciser aussi, j'ai pas précisé dans l'épisode 2 de Conquérant des îles, mais je vous le précise ici. Je ferai une vidéo, de toute façon je ferai une vidéo annonce pour vous l'expliquer plus tard. Il y aura moins de vidéos cette semaine-ci, pour la simple et bonne raison que je suis en examen. Et que je dois quand même me concentrer sur mon travail d'école. Même si je pense quand même pouvoir vous faire une vidéo de temps en temps, hein, c'est pas ça le problème. Ce n'est qu'une semaine de toute façon. Ou deux. Attendez. Mais je commence le 3 décembre et je finis le 11 décembre. Pour compter aussi les examens oraux. Et tout ça. Bref. Je devrais m'en sortir. Il n'y a pas trop de problèmes pour ça. Mais je tiens juste à préciser que s'il n'y a pas de vidéo, c'est normal. Alors, j'ai oublié de préciser. Enfin, je n'ai pas oublié de préciser. Je vous le précise. Je devrais recevoir à Noël un ou deux petits trucs qui me permettraient en fait de pouvoir tourner plus de vidéos et donc pouvoir essayer d'assurer un rythme un peu plus régulier. J'espère que ça m'aidera. Normalement oui, de toute façon si je m'y mets sérieusement, je devrais de toute façon pouvoir m'arranger. Tout par contre, elle avait deux mystères, avec deux chétiflores. La meuf qui s'ennuie pas. Bonjour. Ok merci. Je prends ça. Obtiens aéropiqué. Ah ça c'est intéressant ça. Écoutez, on regarde un petit peu. What c'était? Alors où il est?
Aéropiquet 60. Tornade, ça fait combien? 40. C'est un peu moins puissant. Attaque très rapide et imparable. Ah, ça, ouais, c'est vrai que c'était imparable. Voilà, rafale de vent. Écoute, on va tirer charge. Voilà. Si c'est imparable, c'est toujours utile. Apprends à aéropiquer. D'accord. Alors, Pokémon. Si c'est un montagnard, on va passer directement sur Carabaf. Oh non, allez, chez Carabaf, c'est plus faible. Allez hop. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai confondu Doudou et qui n'ont pas vu l'épisode précédent, c'est juste qu'il va me servir pour Flash. Machoke évidemment, maman... Ouais, bref. Allez Carabaf. Alors j'espère... Franchement... Oups, pardon. Ça me fait vraiment plaisir d'y retourner, j'ai envie de finir ce let's play, mais à fond, de me concentrer dessus. Ah voilà, j'ai bien fait de prendre le Carabaf. Ce petit Onyx là. Attaquer. Il prend quoi? Avec un peu de chance, ce sera même confus. Et voilà. Vous avez battu mon tenir Maurice. Hey! Ah, viens, viens. J'ai plus le Pokémon. Il n'est pas prétentieux alors. Non mais, j'aime pas les gens prétentieux. Prends une Pokéball, allez on m'attente. Viens me battre, si tu oses. Oh, moi j'ose, toujours. Alors t'as tué un Pokémon, un racaillou, ok. Comment te dire que je te le dégage du tout, racaillou. Et voilà. Nanana. Au revoir à Caillou. Niveau 26. Un Onyx. On va changer Cortil un petit peu. Franchement, je suis content de vous retrouver, franchement. Alors, je rappelle un petit peu mon équipe pour ceux qui auraient oublié, tant que je suis. Mon équipe sera composée de Tortan, Raichu, Rafflesia, pardon. Pyroli, Croucarnage et Tignon, en sachant que Rafflesia et Pyroli, enfin c'est plutôt Ortide et Evoli, je ne les ferai pas évoluer tout de suite. Evoli, j'attendrai le niveau 35, il me semble, faut que je vérifie. C'est à ce niveau-là qu'il apprend la première capacité feu. Donc je vais peut-être garder Evoli pour en profiter un petit peu, je verrai bien comment je tournerai ça. Mais Ortide, il faut attendre un certain niveau. Parce qu'au bout en fait, Rafflesia n'apprend plus d'attaque, donc je vais être sûr qu'Ortide apprenne de bonnes attaques, je regarderai ça plus sur le site pour être sûr. Et alors peut-être Pikachu, qu'il faut faire évoluer niveau 43 je pense, mais on verra bien comment on tournera ça. Je vais un petit peu au niveau des capacités. Mais qui voilà, les bras chargés de Pokémon. Je regarde que j'ai des notes là, j'ai rien oublié de préciser. Non, ça a l'air d'être bon. Caninos. Ah, mais parfait. Ah non, pas parfait, non. C'est parfait, ce Carabaf. Alors. À la base, ça devait être notre Pokémon type feu en plus. Par contre, je l'ai changé contre Pyroli. Et comme ça devait pas être un plaisir, mais joli Flore. Mais bon. Bref. On s'en passera, c'est pas trop grave. C'est à la mèche. Ouais. On va garder. Alors, on va lui faire... Bah écoutez, on va lui faire Vibracool, j'ai envie. Au revoir, c'est la mèche. Un très bon starter aussi, même si je préfère un peu Tortank. Enfin, j'aime bien les trois Pokémon, hein. Même si Dracaufeu reste un... Je vous l'avoue, mon préféré quand même. J'ai pris Tortank pour la simple et bonne raison que j'avais déjà fait mon équipe. Et qui me manquait, en fait, j'ai pris d'abord les autres types. Et j'ai regardé un petit peu, bah, il manque un type O qui prend, je suis plutôt tourné vers un Tortank. Le starter. Alors j'hésitais entre Tortank ou Florizarre. En fin de compte, je pense que Tortank se passera très très bien. Donc voilà. Sinon Florizarre est très très bien aussi, je vous l'accorde.
J'en peux, c'est compliqué, j'ai pas avancé. Tant pis. Ce sera pour le prochain. Je sens venir le Papillusion. Si un Dardanian, il y aura un Papillusion. Ah non, un deuxième Dardanian. D'accord. Si tu veux. Écoute, on va essayer au piquet. C'est imparable normalement. Et voilà. C'est réglé. Ah, j'aurais pu envoyer Pikachu aussi. Ah, faut voir, il y a les plaisirs de temps en temps. Yark. Quelle perte de temps. Eh oui. Alors là, c'est Pokémon. Je ne sais plus par où il faut aller. Monte à moi. Par là. Voilà. En avant mes Pokémon insectes. Je déteste les insectes. Mais alors là, un point inimaginable. Chenipan. Allez, Rocops. Allez, Rocket. Voilà. Aspico. Voilà. Alors. Voilà. Ça passe, écoutez. On devrait avancer, on est à 5 minutes de vidéo je pense, je vais regarder ça. J'ai pas le chrono sous les yeux, je vais fouiller 2 minutes. On est à 10 minutes de vidéo, il y aurait... On a encore une demi-heure pour passer la grotte, ça devrait passer, sinon au pire... Dans l'épisode 8 je pense. Et celui-ci c'est le 7 il me semble, je vais pas dire de conneries. Il me semble que c'est le 7. Au pire on se retrouve dans l'épisode 8 pour la grotte. J'ai vraiment envie de prendre mon temps, je suis pas pressé. J'ai envie de profiter un peu du jeu. Je vais pas vous mentir. Je passe par la grotte pour aller à l'avant-ville. Toi aussi ? Ok, on y va deux. Campeur Tristan. Oh, tiens. Deux Tristan qui s'affrontent. Quelle coïncidence. Mais l'original va gagner, désolé pour toi. Copieur. Elle a chaleur au coups. Voilà, au revoir. En plus, on coupe souvent de niveau 27, c'est pas mal. Crudel. Ah bah tiens. C'est la force d'attaque vol aujourd'hui. On va retirer Cyclone. Ouais. 60, 40. On voit une rafale de vent en battant des ailes. Frappe l'ennemi en déployant ses ailes. Écoute, on va retirer Tornade. Voilà. Sablette, type sol, écoutez, on va changer un petit peu. On va voir Ortide. Faudrait peut-être jouer un peu avec Pikachu si c'est en train de. De la traîne, là il est niveau 25, tout, ils sont tous niveau 26. Alors bah, lui faire votre vie. Au revoir. Ah non. C'est un petit coquin toi. Allez, basta. Au revoir. Ah bon. Ah bah écoute, on va se changer un petit peu, on va envoyer Pikachu. C'est un type poison d'un beau. Ouais, donc on va aller faire une attaque seule, écoutez. Et moi je suis pas un campeur, je vous signale quand même. J'ai un rusher. Tunnel. Je sais c'était nul, c'est pas grave. C'est mon humour. Même si cette fin, je vous l'avoue, était complètement nul. À chier, c'est le terme. Oups. T'aurais pu le tuer quand même, hein. Et ben voilà, quand tu veux. Alors, Sablette. On va quand même changer. On va renvoyer Ortide. Volvi, allez.
Allez, 2 minutes. Bien, désolé. C'est mon frère qui a débarqué dans ma chambre. Je suis pas bon. Non, je te dis, l'original gagne toujours. Alors. C'est qui qu'on a en premier? Oh, coups. Écoutez, celui-là, vous m'excuserez, on va le flécher. J'ai pas envie de l'affronter. Ding. Lui, hop. On va l'affronter avec Pikachu. Pour le remettre à niveau en espérant qu'il n'ait pas été le seul avec la chance que j'ai ici. Traite-moi avec respect, je t'ai pas insulté. Je suis poli et courtois, mais un peu fort bourré. Celle-là aussi était nulle. Je pense que je devrais me coucher après ça. Ça fera du bien à tout le monde. Oh, nul qui m'a aussi. Au revoir. Il fait mal. Pas une bonne défense au Pikachu. Il est vraiment à la traîne en plus. J'ai dur à le faire XP Pikachu. Bonjour. Ah, le Sim Pokémon. Allez go. On va explorer tout ça. Tiens, il y a un professeur là. On va aller voir ce qu'il veut. Ok, je prends Pokémon d'instant. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Salut, Iceman, je t'ai cherché. Je suis un assistant du professeur Shen. Si tu as attrapé 20 Pokémon différents, je suis censé t'offrir cette pierre Staff. Alors, Iceman, as-tu attrapé 20 Pokémon différents? Que 13? Ah mince. Je vais en capturer en off, alors. Ah mince. On m'a dit qu'il y a des spectres à l'avant-ville. Ah, je n'ai que 20. Je n'ai même pas 20. Ah mince. On va dire faire plein de Pokémon quand on aura vol. Je reviens de la reine Pokémon. Mais je perds tout le temps. Ah mais oui mais. Oh, on a pas de technique. Pikachu. Ah tiens, comme moi. La combat de Pikachu, tiens. Sauf que lui est plus puissant et il connaît tunnel en plus. Ok, moi je te rentre plein dedans. Voilà, goodbye. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est en vidéo. Ça avance vite, ça avance vite. Mon niveau 26, mais voilà. Oh, en plus Pikachu. 120, puissant étant 120, 75, 80, 75. Bon, écoutez, pour la précision, on t'en tire celui-là. Pikachu Bisplay, c'est apprend tonnerre. Mélophée. Bon, bah écoutez, comme Pikachu a pas XP en off, on peut, a pas XP dans la grotte en plus. Ok, bah écoutez, on va tester tonnerre, voir ce que ça donne. Pas tout à fait ça. Oh quoi que. C'est pas mal. Ouais. Ah, il va refaire tenir donc. Ouais, il va refaire tenir. Vous
vous avez battu Picnic Heidi. Ben voilà, j'ai encore perdu. Ben oui, mais c'est l'habitude, hein. Il y a les perdants et les gagnants, que veux-tu. Ah, j'ai pas vu ce qu'ils voulaient les autres, on va leur parler un petit peu. Alors, voyons voir. Le type d'un Pokémon a l'avantage par rapport à un autre. Chaque type a des avantages et des inconvénients. On m'a dit qu'il y avait des spectres à l'avant-ville. Ouais, on a déjà parlé. J'ai vendu une pépite pour 5000 Poké-Dollars. Allez, on est parti. Ah ouais, voilà la fameuse grotte. Quand je pense que j'ai rondoudou. Flash. Écoutez, j'ai pas un repousse par hasard. Ah si. Voilà. Ça va faire du bien, ça. Une Pokéball. Trouver repousse. Ah bah tiens. Écoutez, regardez Pikachu. Pour l'instant. Baston Pokémon, c'est parti. Même si je voulais exprimer un petit peu les Pokémon, je me suis dit que... Si je voulais quitter la grotte... Sans les autres, peut-être penser à... Écoutez, je vais porter un petit shop. Un trou, il semble... Ouf, ça va faire mal. Si jamais il me touche, ça va faire vachement mal. Wow. Écoutez, hein, on va switcher, pardon, je voulais parler, moi. Switcher, voilà. Ça revient. Alors, Volvi. Viens ici, toi. Attendez, 2 minutes de nouveau. Voilà, désolé, ça fera 3 fois dans l'épisode, ça devient chiant là. Alors. Voilà, donc il revient de nouveau. Écoutez, on va regarder Pikachu. Je demande 40 minutes de paix, c'est pas possible. Comment voulez-vous vous concentrer ainsi? Ramolos. Oh, bah ça tombe bien. J'ai un Pikachu en plus. Tonnerre. Par contre, c'est Pikachu qui va XP, même pas les autres. Jean-Marie. Phew. J'ai crevé. Putain, rien fait, c'est ton Pokémon qui a tout fait. Il y a des gens, je vous jure. Les
fait de pouce vissé. Rappel. Est-ce qu'on en claque un autre ou bien faut écouter. Ah bah écoutez, on va capturer un observateur petit envoyé. On va essayer de capturer ainsi. J'ai pas envie de le mettre KO. Il rentre. Fais pas le con, rentre. Évidemment, je m'attendais. Tu me laisses pas le choix, hein. J'ai pas envie. Hein. Évidemment. J'irai peut-être les farmer en off parce que là ça devient légèrement chaud. Oui, je pense qu'on va reclaquer un rock pour ça. Ah, tu me dirais qu'un Pikachu avec un racaillou, il y a peut-être moyen de foutre une attaque lunaire sans le tuer. Ah, mais non, ça n'affecte pas évidemment, j'aurais dû m'en douter. Ouais, ah, mais il était au sol aussi, hein. Comment pourrait-on faire? On va fuir. On peut essayer une Pokéball, mais je suis tout déclaqué, je le sens. Faut les affaiblir et je peux le Pokémon pour. Ah! Non bah écoutez, laisse tomber parce que là je commence à péter un câble avec lui. Rien est fermé en off, tant pis pour la pire stase. Alors. Je suis paumé, mais à l'attaque. Si tu veux. Mystère. Évidemment j'ai un type plein, j'ai un type plein. Explique-moi, bon, écoutez, on va essayer de mettre KO. Boum. Au revoir. Même pas. Oui. Oh non. Du poison, je m'y attendais. Je t'ai fait la remarque mentalement que elle avait pas encore été empoisonnée ni rien. On n'avait pas encore eu de problème de statut, il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Hein. Sinon c'est pas marrant. Sinon je pense que j'ai des antidotes. Des antidotes, pardon. Le bizarre, ok, là je change. Vas-y, recourse. J'ai hâte d'avoir Roucarnage, il est super stylé. Roucarnage qui entre parenthèses maintenant a une méga évolution dans Omega Ruby et Saphir Alpha. Bon, allez, on va tester Crudel. Voilà. Un jeu que j'ai précommandé qui devrait arriver samedi normalement. C'est vrai qu'il est empoisonné. La poche des soins. Antidote. Voilà, c'est beaucoup mieux. Connais-tu les dresseurs costumés? Ah bon? Ah ouais, d'accord. Quel costume? Tu es déguisé en quoi, un drapeau feu? Ici c'est la mèche qu'on te met au tapis. Non. Alors. Tunnel. Au revoir. Et j'ai dit au revoir. Et s'il me brûle. Ouais, tonnerre. Et comment c'est qu'une attaque sur la mèche me fait autant de dégâts? Il n'est vraiment pas le mode défense, un Pikachu. J'espère que Raichu n'est plus grande sinon. Défense. Parce que la façon dont j'ai tourné la phrase, ça pouvait porter à confusion. Surtout si CrazyX regarde cette vidéo. Ce sera le premier à me faire la remarque. Le Wolf Hunter n'est pas mal dans son genre non plus. Ces deux gros cochons, ces deux-là. Ils ne pensent qu'à ça. Bref, les jeux de Pokémon peuvent sur autre chose. Donc on va éviter de parler de ça.
On va soigner notre cher Pikachu, qui a pris ses verres quand même. J'aimerais regarder un truc quand même. Ses stats. Ça me semble bizarre, ce même. Il aurait pas dû choper autant de dégâts avec une attaque flamèche. Si. Ouais, d'accord. Ouais, défense 19. Ouais, ok, merci Pikachu. Ok, bon, toi, faudrait que je t'achète des vitamines. Oups, pardon. Je confonds. Parce que là, je suis désolé, mais il y a des limites, hein. Oui, je vais peut-être lui faire une attaque tonnerre sans qu'il meure. J'espère. Non, évidemment. Mais écoutez, je les fermerai en off parce que là, j'en ai marre. On est trop puissants, les gens. Par là. Les Pokémon vont te faire pleurer. Et si je dis que c'est peut-être moi qui va te faire pleurer. Hein? Tu réponds quoi? Un racaillou, sérieux? Allez, tunnel. Ok, un racaillou niveau 25 va me faire pleurer. Ah merde. Ah ouais. Ah. Merci Pikachu, au revoir Pikachu. Ah c'est pas con, c'est il a anticipé. C'est pas bête, c'est pas bête. Mettre sur l'ordinateur, GG à lui. Allez, au revoir. Bon, mais... Il a one-shot notre Pokémon. Ah, je pleure. T'as une drôle de façon de pleurer, toi. Déjà, quand je pleure. Je pleure et je me tais. Combien de justement un rappel. Après que j'en achète à la boutique. Je ferai ça à l'avant-ville. On va éviter d'affronter les Pokémon seuls avec Pikachu quand même. Hein. Pour éviter ce genre de situation gênante. Très gênante. Affreusement gênante. Bref, j'arrête. Non mais j'aurais pu le tuer pour y se faire, bref. Blague à l'échelle. Le montagnard, on va quand même le sécher. J'ai pas envie qu'il me fasse une deuxième fois en pleurs. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Tonnerre. On est à 32 minutes de vidéo, ça devrait... On devrait sortir de la grotte à temps. Au revoir, Machoc. Voilà, niveau 27, c'est pas mal. Écoutez, encore un montagnard, on va changer. J'ai pas envie de retrouver mon Pokémon mort de nouveau, enfin KO. Il est pas mort, il est KO. C'est un Nuzlocke qui est mort, on va dire. D'accord, Nuzlocke ils sont KO mais KO définitivement. On a plus le droit d'utiliser, techniquement... Techniquement on pourrait, mais c'est la... C'est la règle de Nuzlocke. À la limite je pourrais vous en faire un. Mais ce sera dans très longtemps. Ok. Oh peut-être pas. À voir. Voilà, au revoir. Et le dernier pour mettre Carabaf à niveau. Je lui ferai peut-être XP un peu en off parce que je trouve que c'est un peu faible quand même. Donc on verra bien. Si je vois qu'on est à la traîne au bout d'un moment, j'ai XP en off, mais là, il s'en sort plutôt bien. Hein? Par où je sors maintenant? Ben, tu te débrouilles. Tu croiras quand même pas que je vais tenir pas la main et te montrer la sortie. Oh, ça pourrait être marrant. Mais non. Désolé. Ah, regardez un peu Carabaf. Corde de sortie, écoutez. Ouais. Mince. Écoutez, je vous fais une petite ellipse et je vous reprends tout de suite. A tout de suite.
petit poussin, il me semble, qui... qui sème derrière lui des petits morceaux. Non, c'est des morceaux de pain, un petit poussin. Alors, en parlant de Pokémon, j'ai une petite surprise pour vous sur le serveur PCM Village. J'ai toujours pas fait de vidéo de présentation de ce mais je vais le faire dans pas très longtemps. Si, quand même. Je vais vous en parler maintenant, c'est une petite surprise qui est en rapport avec Pokémon, mais sur Minecraft, je vous en dis pas plus. Si vous voulez que je venir voir, allez sur la chaîne de Friano, il y a l'IP du serveur. On est en train de bosser sur une petite surprise, ceux qui veulent venir voir en avant-première peuvent. Sinon je vous ferai une vidéo dessus dans très longtemps parce que c'est un projet qui prend du temps. On y travaille, ça devrait vous plaire franchement, pour les fans de Pokémon et de Minecraft. Enfin, ou que de Pokémon, ou que de Minecraft, ceux de Minecraft aimeraient bien aussi. C'est de l'art ce qu'on est en train de faire, vous allez vraiment adorer. Téléphone qui vibre, le téléphone qui est là. Voilà. Pourquoi je fais que... D'accord, j'ai one shot quand même. Pourquoi pas. En même temps, il y a quasiment... Ouais, il y a 12 niveaux différents, mais effectivement, c'est normal que je one shot. Ah non, on n'est pas encore sorti de la grotte. Ah non, d'accord, je pensais qu'on y était. Bah écoutez, vidéo un peu plus longue, mais on sort de la grotte et on se laissera là. On y est presque de toute façon. On va dire que la vidéo fera 45 minutes au lieu de 40, c'est pas trop grave. Cet épisode de Let's Play, normalement je suis parti pour une heure pour la reprise, mais bon. Il faut arriver. On se laissera là. Je pense même que je vais tourner un épisode encore après. Trois cailloux. Alors, à cailloux, on va aller voir un vibre à quoi. Ouais, je pense que je vais tourner un épisode encore après. Pour ceux qui ne savent pas, je filme avec Myris Action, parce que c'est quelqu'un qui me l'a demandé en privé. J'utilise Action quand, pour tout ce qui est plutôt Minecraft et Battlefield et tout ça. Par exemple pour ma vidéo Payday, j'ai utilisé Fraps. Et alors, j'utilise Camtasia comme programme de montage. Est-ce qu'on a déjà cité Catrock? Il me semble, hein. Je ne sais plus, aidez-moi. Non, on n'a pas encore avec Catrock. C'est où qu'on la prend avec Catrock? Ah, il y a une petite Pokéball, on va aller la chercher. Je ne sais plus, c'est où qu'on la prend avec Catrock, attendez. Ça pourrait être une psy, il me semble, non? Avec la reine ici à Union Police, on pourrait utiliser vol. La ville de la reine poison, je sais plus son nom. C'est quoi son nom encore à celle-là? Je sais un peu de tous les noms de villes. Parmani. C'est surf. Safrania, alors ça doit être soit Eclatroc. Ah bon, que ce soit Argenta. Alors Argenta nous permet d'utiliser Eclatroc. Je ne sais même plus. Je pense même que je suis en retard. Faudrait que je regarde, sur Poképédia ou un truc du genre si je l'ai pas loupé. Mince. Tu as un Pokédex? J'en veux un aussi. Et gros rageux. Je ne sais plus c'est où. Je pense qu'on peut déjà la prendre avec la troque. Je ne sais même plus, honte à moi. Ah, moi que ça cramoisille. Non, c'est cramoisille, non, ok, oui. Non, il me semble que c'est la cramoisille qu'on la prend. C'est qui? Ramolos. Ok, Ramolos.
je regarde, il y aura peut-être moyen de vous caler un légendaire bientôt. Enfin bientôt. Dans 2-3 épisodes. Faudrait regarder, je devrais y réfléchir un petit peu. Mes Pokémon sont pas assez XP. Faudrait avoir, franchement faudrait avoir, y'a peut-être moyen. Peut-être essayer d'aller capturer comment il s'appelle. Elector. Donné que c'est le plus proche. Ou Articode, hein, faudrait voir un des deux. Il y a deux moyens, hein, des gens de varier un petit peu les plaisirs. On finira par Mewtwo de toute façon, je pense. Et alors évidemment, il y a le Pokémon Sentai qu'on peut attraper, étant donné qu'on a pris Carapuce, on ne sait plus c'est lequel. Je vais regarder. Nous, c'est Raikou, voilà. Donc, on est plus, c'est Raikou qu'on peut capturer. Il faut avoir fini la ligue, parce que j'ai mes petites notes ici, pas oublier. Dès qu'il est dans le Pokédex, vous pouvez le localiser et le suivre à la trace pour le rencontrer sur une route. Ok, niveau 50, type électrique, ça je m'en doutais quand même un petit peu qu'elle était type électrique, merci. Un Pokémon seul est conseillé, non, c'est vrai. Il aurait bien voulu Suicune, mais il aurait fallu prendre alors Salamèche. Mais bon, Raikou n'est pas mauvais non plus, hein, loin de là, c'est un très bon Pokémon. Même si je trouve que les légendaires sont un peu cheatés quand même. Je vous l'accorde. Allez go, on y va. On va la sécher. Oh bah voilà, écoutez, on va faire des petits combats. On est à combien? Je regarde un petit peu le temps. Ouais, 42 minutes, ça devrait aller. On est tout prêt. Morsure. Allez, boum. Au revoir. Même pas? Oh, sérieux? Sérieusement, alors, bah écoute, j'utilise Morsion. Oh non, c'est une Nigotte en plus. Allez, boum. Au revoir. Et voilà, alléluia. Mélophée. Alors, avec qui on va affronter Mélophée? On va affronter Coucou, ça fait longtemps. Chez moi. Ah bah elle est compliquée, tiens. Oh ouais, mais y'a que toi de toute façon. Comme tu te loupes, je te loupe, y'a que toi. Comment je t'ai enchaîné? Je n'ai rien compris. Mais ça, je m'en doute. T'as affronté King Iceman, ça devrait te suffire. T'as des Pokémon? Ok, baston! Enfin, c'est quelqu'un qui a dit. Il me semble. Un coup balancé par Picnic Kim. Oh, one shot. Critique en plus. Bravo, on coupe. Ratata. Lui aussi va beaucoup devoir, enfin lui aussi va beaucoup va jouer un très grand rôle, j'arrive plus à parler moi là bas va jouer un grand rôle quand même dans rien de plus. Donc autant l'XP un peu. Écoutez, on va faire repiquer. Pour l'instant on n'a aucune défaite, je suis content quand même, on se sort plutôt bien. Par contre je vous avoue, je crée un peu la ligue quand même. C'est une ligue que j'ai jamais réussi en un coup. Il fallait au moins que je m'y prenne à deux fois. Techniquement, avec l'équipe qu'on a, si on s'entraîne bien, ça devrait aller. De toute façon, on n'est pas encore arrivé. On va prendre notre temps, on va faire tous les combats possibles. On a que cette équipe-là, on joue pas avec d'autres Pokémon, donc ils vont prendre tout XP pour eux. Donc ça devrait aller.
Je pense pas qu'il y aura de gros problèmes à la ligue. Au pire, on fera le max de guérison, de rappel. Et techniquement, ça devrait passer. Perle. D'accord. C'est trop de version. Perle, c'est dans 5 générations, je pense. 5 ou 4. 4 générations. Ah. Non, 3 si on compte pas celle-ci. Bref, je me suis compris. C'est la 4e génération, voilà. Comme ça, c'est clair. Donc on a encore deux générations à faire avant celle-ci, d'arriver à diamant et perle, c'est-à-dire pour les débutants. Or et argent. Deux frères passions DS, or et gold et argent sur silver. Et alors après ça il y a la version que je ferai Game Boy sûrement. Un manque d'ici là, il y a un émulateur 3DS qui sort. Où vous ferez Ruby et Saphir. Mais si émulateur 3DS, pourquoi pas faire Omega Ruby et Omega Saphir. Pourquoi pas. Écoutez, on XP un peu avec Roku parce que j'ai envie de jouer avec lui. Et repiquer. Au revoir, voilà. On a 50 minutes de vidéo quasiment, on est 47. Trop cool, on va pouvoir changer. Et on est à la sortie là, je viens de voir le bout il me semble. Donc voilà, écoutez, en 50 minutes on aura pas mal avancé, on a fait ce que j'avais prévu de faire. Alors, voilà. Est-ce qu'il a monté de niveau? Eh non, il me troll. Attendez, c'est mon frère qui crie en plus. J'espère que ça s'entend pas trop. Il va s'y faire boucan de tous les diables. Il n'est pas possible. Alors, bienvenue à l'avant-ville. Ah non, route 10. Petit troll. C'est pas trop grave, j'espère qu'on n'entend pas trop gueuler. Voilà. Désolé, mais mon frère qui revient de nouveau, c'est pas possible. Bon, écoutez, on va se laisser là, je pense. Hein. Ça fait 50 minutes de vidéo. Et arrivé à l'avant-ville. On va juste finir par un petit achat ou deux, et puis on se laissera là. Je perds mes mots. On aura fait quand même un achat ou deux. On aura traversé la grotte. Super potion, vente. Super mot par contre, vente. Pardon, on va en prendre 8. Ça nous fait une dizaine. On va racheter 2-3 super potions. En plus, il y a un boucan de tous les diables près de chez moi. Donc, enfin près de chez moi, près de ma chambre. On va prendre des rappels. Ça peut être utile, on va en prendre 10. Profitons, on a la blinde dessous. Enfin, on avait. Carte de sortie, super repousse, anti-gel, j'en ai combien? J'en ai 6, anti-brûle. 1, mais étant donné que c'est un plan, il ne doit pas y avoir trop de problème. Antiparacète, parfait. Et antidote 4, on va quand même en reprendre 2. Voilà. Donc écoutez, on va cesser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis super content de recommencer ce let's play. Enfin, recommencer, de le continuer avec vous. Dans l'épisode prochain, on affrontera sûrement Crysix dans la tour. À moins qu'on se le garde une fois qu'on aura fait le casino Pokémon, oui. Pour affronter la Team Rocket. Il semble que c'est là qu'on récupère les lunettes. Si je dis pas de bêtises. Donc soit à Safrania. Non, je sais plus. Non. Il me semble que c'est à... Ok, c'est nos Pokémon. Bref, dans les deux cas, on n'ira pas à la tour Pokémon tout de suite. De toute façon, on sait pas les voir. Hein. Ils sont invisibles. Il faut les lunettes express et les skills de S-H-A-R-L, un truc du genre. Je ne sais plus vraiment. Écoutez, on visitera la ville un petit peu, le fond en comble, plus tard, dans l'épisode prochain. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était King Iceman pour l'épisode 7, si j'ai pas de bêtises, de Pokémon. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite du let's play. Moi, je suis content de reprendre ce let's play avec vous, je suis en pleine forme, ça s'entend, je pense. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et salut tout le monde. Bye.